Jerusalema y Jayalami. Y lo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana. Jerusalema y Jayalami. Bienvenue pour ce temps de célébration de Noël en vidéo. Oui, c'est une célébration toute particulière cette année, parce que ce que nous vivons en ce moment n'est pas ordinaire. Nous devons continuer à faire attention avec ce virus qui est présent dans nos vies. La conséquence, c'est que nous ne pouvons pas nous réunir, nous ne pouvons pas nous voir et partager des moments ensemble, en étant regroupés à plusieurs d'établissements différents. Et ce n'est pas une chose qui est facile à vivre, c'est vrai. Et pourtant, aujourd'hui, nous voulons être dans la joie de Noël. Je remercie déjà les établissements de Marie-Durand, des foyers d'hébergement et de logement, et tous les jeunes de l'IME qui ont contribué pour cette fête de Noël en vidéo. Notre thème aujourd'hui est « Au-delà des masques », ce petit objet qui vous remplit le quotidien. Et vous allez voir justement que chacun a pu donner, offrir, pour que ce culte de Noël en vidéo nous permette d'être reliés les uns aux autres, malgré la distance, pour nous connaître mieux et de voir la richesse qu'il y a parmi nous. Beaucoup ont des talents, des choses à partager, et c'est en cela que cette célébration de Noël est spéciale pour cette année 2020. Merci aux équipes de Marie-Durand et aux résidents de nous avoir introduits avec cette danse sur la musique Jérusalem. Une musique qui demande à Dieu la protection, avec des paroles remplies d'espoir. Nous voulons également vivre ce temps maintenant de culte, comme un temps à part, dans la présence de Dieu, en nous souvenant du message de Noël, qui est celui d'un Sauveur qui nous est né, comme nous venons de le chanter au début du culte. Oui, un Sauveur nous est né. Amen. Et vous allez pouvoir maintenant découvrir certaines passions qui anime les résidents du Zonenhof. Bonne découverte. Gérard, un grand passionné de musculation. Waouh. Parfait. Et celui-là? Voilà, pour tu l'as plus à... Ouais, tri, c'est fini. Bah, tri, écoute. Hein. Je peux montrer que le bureau est particulièrement rempli de filets de perles. Geht's, Esther? Ja. Ja.
Et vous êtes en train d'écrire quoi, Philippe? C'est ça? Ok. Parti. Salut Jean-Marie. Oui. Montre-nous tous tes CD. Là, ils sont. Vu que tu es passionné de musique. Voilà, là. C'est fou. Et... Non, je veux dire. Ah. Il y en a encore? Oui, là. De l'autre côté. Voilà. Attends, il y en a encore deux colonnes ici. Encore une ici. Et il y en a dans la boîte. Dans la boîte, en bas. Et quand est-ce que vous écoutez tout ça? Le soir. Et il a encore des vinyles avec... Ça, c'est la chaîne. Oui. Il a des vinyles. Dis donc. Vous vous mettez où pour écouter la musique, Jean-Marie? Ici. Ici, c'est où? C'est sur le lit? Oui, c'est le lit. Avec elle? Tu veux bien nous montrer comment tu fais du tambour? Tu nous montres juste ça, 2 minutes. Allez-y, allez-y. Vas-y, Jean-Marie. Bonjour, encore une autre masquée. C'est qui alors? C'est Justine. Justine, bonjour Justine. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On fait une tarte poire, banane, chocolat. Et moi, je fais la pâte maison. Ah, je vois, je vois. Elle pétrit, bien. Et, comme avant. Comme avant, à l'ancienne. Waouh, tout à la main. Et... Ah ben, ça va être vraiment très excellent, hein. On y met tout le cœur. Voilà. Pour faire une bonne tarte pour régaler tout le monde. Voilà. C'est parfait. Et pour les, tous les mimosas. D'accord, ok. Bon, ben, on va voir la suite. Hein. On vous laisse continuer? Oui. Allez, bon travail. Merci. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous derrière votre masque? Ah, c'est Pierre Viau. Je suis cuisinier. Ok, ben, bonjour, monsieur Pierre Viau. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de veau, le cuisinier, aujourd'hui? Moi, je suis en train de faire un... Comme elle a dit, Justine, on prépare ça de... C'est quoi, des... Poires. Des poires, ah, ok. Tarte aux poires au chocolat. Tarte aux poires au chocolat, ça va être bon. Ça, c'est bon. Ça va être bon. Ça va mélanger avec des... Comme elle a dit, la chef, là, avec des bananes. Des bananes, oh là là, poires, bananes bah, et poire, du banane, chocolat. Éplucher, ouais. Ah bah ça va être bon, on va se régaler. Ouais, donc je vous laisse continuer éplucher, puis okay, on revient ouais, pour la marche. Suite pour voir comment ça continue. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure ouais. Alors, monsieur et madame les top chefs pâtissiers, c'est quoi la suite du programme bah, maintenant? On fait les bananes. Vous faites les bananes? Ouais. D'accord. Sur la tarte? Oui. Ouais, et on fait comment alors? On les met? On fait des ronds, on fait des plus choses. D'accord, super. Ça approche, ça va. Je sens que ça sent bon. On va. On a envie d'en manger tout de suite. Voilà. Hein, ça donne vraiment très, très envie. Hein. Donc ça va? C'est pas trop difficile? Non, ça allait. Ok, ok, ok. C'est juste? Ouais, voilà. C'est juste, ouais. Alors, ça applique. Là? Là. Ça. Là. Voilà. Trop bien, trop bien. Et après? Entre, tu me dis quoi? On va le mettre là aussi. Hein. Voilà. Ouais, ça voilà. Commence à prendre forme, voilà. C'est beau. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Et alors, est-ce que c'est fini? Presque. Voilà. Après, tu fais la machin et... La quoi? La liaison. Ok, d'accord. Donc, on revient tout à l'heure. Alors. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je m'appelle Eya Philippe. Je viens du club de Ninebrun. Je fais du judo avec Saïd. Et je vais faire des roulades. Voilà. Je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, j'aime bien le judo. Je m'appelle Julien, j'ai 38 ans et je fais du judo tous les lundis. Et on va faire une démonstration de judo.
quoi? Julien! Julie! Hallelujah.
Seigneur, qu'il est beau de voir que tu as créé chacun de façon unique, spéciale avec des dons et des talents. Merci parce que tu as voulu de chacun sur cette terre et que ce n'est pas un hasard si nous sommes là. Gloire te soit rendue. Seigneur, nous sommes dans la joie de voir les uns et les autres nous montrer ce qu'ils aiment, leur passion. Merci parce que c'est toi qui places en nous le vouloir et le faire. Nous t'apportons toute notre reconnaissance de cette vie que tu mets en chacun de nous et nous voulons te rendre la louange qui t'est due. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Pour sa force et sa puissance, il a remporté la victoire. À tous les peuples, le Seigneur a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu nous sauvait. Criez de joie pour le Seigneur, tous les habitants du monde. Poussez des cris de joie et chantez. Jouez pour le Seigneur avec les instruments. Sonnez de la trompette et du cor. Criez de joie devant le Seigneur notre roi. Que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde rugisse avec ses habitants. Que les fleuves battent des mains. Que les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, oui, il vient pour sauver la terre. Il sauvera le monde avec justice, sans faire de différence entre les peuples. Merci à Sophie et Sandrine pour la lecture de ce psaume. Un psaume qui nous invite à la louange, à être joyeux, réjouis de ce cadeau merveilleux que nous accueillons à Noël. Ce cadeau, c'est Jésus, le Sauveur venu par nous. Alors nous chantons ensemble ce chant qui dit « Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez triomphant, joyeux, venez en ces lieux. » Chantons ce chant avec la joie de nos cœurs.
Bonjour Père Noël. Ja, was bin ich auf Mensch? Je veux avoir tant de paris. Je veux une surprise. Et que tous les gens soient guéris du virus. Afin qu'on puisse de nouveau aller au restaurant et sortir avec la monnaie manger. Ja. Was bin ich auf Pott, wie nach? Marcel Schulz. Ich bin ein Bett. Ein Bett? Ja, ein Glas. Ein Glasbett? Nein, ein Ansichtbett. Ein Ansichtbett? Ja. Du musst mich in den Handschlag freuen. Ja. Was willst du auf mich nach? Ich hoffe, es hat Barani nicht gegeben. Auf mich hier und alles. Ja. Was bist du das Liebeschen von Noël? Ein Fotoapparat. Ein Fotoapparat? Ouais. Ça peut aller. Bonjour ta mère. Was bist du für eine Surprise? Mais ta surprise, ça que tu me fais. Ouais. Et puis alors je suis contente pour tous les parents et puis pour ma copine. Ouais. Je suis venu Noël, à Noël. Une radio, il a dit. La radio. Je suis venu en France. Et hein, faire feutre. Des feutres. Feutre, ja. Et Marie-Thérèse, je vais venir au pays, hein. À Pompeu. Ja. Ja. Je suis comme un homme. Ja. Bonjour, Pissant. Was willst du für die Nacht? Was du willst für Noël? Moi, je veux tout. Tout? Tout. Et was willst du für die Nacht? Une jolie tasse. Je. Yo. Mais moi, je veux rien. Was m'en va, hein? Was willst du für die Nacht? Cassette. Un tasseur? Oui, on va parler. Oui, qu'est-ce que tu veux pour la fête de Noël? De la grand paquet. Un grand paquet? Parce que tu es au nord. C'était? C'est comme ça, tu es là. C'est vrai que nous sommes dans un moment où nous avons des souhaits pour Noël, comme nous l'ont rappelé les résidents de Marie-Durand. Dieu les connaît. Ses souhaits. Oui, il sait tous nos besoins et il veut nous faire du bien en ces temps troublés. Où que nous soyons pour cette fête de Noël, Dieu est là. Notre thème du jour est « Au-delà des masques ». Cela veut dire que nous ne voulons pas rester bloqués aux masques, mais que nous voulons regarder ce qu'il y a derrière. Oui, en ce Noël, nous nous encourageons à dévoiler quelque chose de nous. Et merci déjà à ceux qui ont pu partager leur passion. Au-delà des masques, c'est en fait une invitation à être sincère, authentique, vrai, les uns envers les autres, et également vrai envers nous-mêmes et avec Dieu. Et c'est peut-être, je pense, la première chose qui m'a sauté aux yeux en arrivant ici au Neuf, c'est la sincérité dont chacun des résidents et usagers font preuve dans la manière de vivre la relation avec l'autre. Avec vous, on dit ce que l'on pense. Il n'y a pas de faux semblants. C'est vrai qu'il y a cette facilité relationnelle, une authenticité qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais pourtant, parfois, il peut nous arriver de ne pas toujours être vrai envers les autres. Nous allons faire un exemple. Je vais appeler Cathy et Sylvie à venir me rejoindre. Voici notre exemple. Si je demande à Cathy, bonjour Cathy, est-ce que ça va? Ah oui, ça va très bien aujourd'hui. Elle me dit oui, ça va très bien aujourd'hui. Elle a un grand sourire en plus. Alors, avec cette réponse, je peux me dire qu'elle est joyeuse et qu'elle va bien.
Et si je pose la même question à Sylvie, bonjour Sylvie, est-ce que ça va? Bonjour, oui. Vous avez entendu, Sylvie a dit un petit oui. Alors je peux penser qu'elle ne va pas bien. Que peut-être quelque chose ne va pas. Alors que pourtant, elle a dit oui à ma question. Être sincère, c'est être vrai jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes prêts à dire à une personne qui est en face de nous, aujourd'hui, non, ça ne va pas? C'est parfois difficile, par manque de confiance, parce que nous ne connaissons pas bien la personne, ou parce que parfois nous avons aussi honte d'aller mal. Ce qui est sûr, c'est que la période que nous vivons avec ce virus a changé notre manière de voir la vie. Le masque nous empêche de parler, ou en tout cas de bien le faire, de voir aussi l'expression du visage. Cependant, nos oreilles, elles, ne sont pas bouchées, elles ne sont pas cachées. Alors nous pouvons recevoir, entendre et écouter ce que Dieu souhaite nous dire en ce Noël. Je vous invite à lire un court passage dans la Bible qui va nous inviter à regarder au-delà des masques. Moïse descendit du mont Sinaï. Les deux tablettes du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mise à rayonner lorsqu'il avait parlé avec Dieu. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse. La peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les princes de la communauté vinrent auprès de lui. Et Moïse leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur expliqua tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, et jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec Dieu. Dans ce récit, Moïse porte un voile. Ce n'est pas à proprement parler un masque comme le vôtre, mais il a la même utilité. Protéger les autres. Dans le récit de l'Exode, Moïse, qui a parlé avec Dieu lui-même en face à face, est plein de lumière divine. Alors son visage rayonne. Et cela éblouit les Israélites. C'est pour ça qu'il met le voile sur sa tête lorsqu'il est avec son peuple. Pour le protéger. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur, il retire son voile. Ce récit est riche d'enseignements. Il évoque déjà et principalement la rencontre avec Dieu. C'est une rencontre qui se passe dans l'intimité d'une relation directe, d'une personne à une autre. Ici, c'est Moïse qui parle directement avec Dieu. Il est sincère dans sa relation avec Dieu, parce qu'il retire le voile, il ne cache rien. Et Dieu lui rend bien, parce qu'il parle avec Moïse. C'est quand même incroyable. Moïse était le seul à pouvoir parler avec Dieu à ce moment-là. Le reste du peuple ne le pouvait pas. Et en ce Noël, nous nous rappelons la venue de Jésus. Et cette venue de Jésus change quelque chose. Elle témoigne justement que Dieu se veut proche de nous, qu'il désire être en contact avec nous, en relation directe, comme avec Moïse. Jésus dit,
dans Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que la Bible nous dit de Jésus nous renseigne aussi sur Dieu et sur l'amour qu'il a pour nous. À la mort de Jésus sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Ce voile dont il est question est celui qui protégeait le lieu du temple, appelé le Saint des Saints. C'était le lieu le plus sacré où la présence de Dieu apparaissait. Seulement une personne, le grand prêtre, pouvait aller dans cette partie du temple, une fois par an. Ce voile s'est donc déchiré de haut en bas à la mort de Jésus, pour marquer le fait qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et les êtres humains. Là où seul un grand prêtre pouvait aller une fois par an, il est possible pour tous d'aller dans la présence de Dieu. Comme Moïse qui a retiré son voile ou son masque lorsqu'il s'approchait de Dieu, pourquoi nous aussi, nous ne décidions pas de faire pareil et d'accueillir Jésus dans notre cœur? Il n'y a plus rien qui nous en empêche. Lever le voile représente la relation en toute vérité avec Dieu. En ce temps de Noël, nous pouvons choisir de nous approcher de Dieu, de reconnaître l'amour qu'il a pour nous. Cet amour qu'il a poussé à envoyer son Fils Jésus sur la terre, afin de nous donner le don gratuit, le cadeau de la vie éternelle avec lui. Cette vie éternelle qui commence déjà maintenant. Alors oui, cette histoire nous invite à faire confiance à Dieu dans tout ce que nous vivons et à lui faire une place dans notre vie. Comme lui nous en fait une, en nous témoignant de son amour infini par le cadeau de la venue de Jésus-Christ. En Jésus, justement, il n'y a plus d'obstacle, plus aucun voile, plus de masque entre Dieu et nous. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Offrons-nous un cœur à cœur avec Dieu, en prenant aussi le temps d'aller au-delà du masque dans nos relations avec les autres. Nous chantons maintenant notre chant de l'année qui nous invite à ce cœur à cœur avec Dieu, à tourner les yeux vers lui, à regarder à lui. Thank you.
Prenons un temps pour prier le Seigneur maintenant. Seigneur, nous tournons les yeux vers toi en cet instant, car nous savons que tu nous as aimés le premier en envoyant ton Fils Jésus sur la terre. Merci d'être ce Dieu présent en toutes circonstances et encore plus lorsque nous traversons des moments difficiles. Seigneur, mets en nous la joie de Noël, celle qui, par Jésus, nous permet d'avoir une relation sincère, véritable avec toi. Oui, nous voulons recevoir ta joie et ton amour en ce temps de Noël. Aide-nous également à être vrais, sincères les uns avec les autres, sans nous mentir, en accueillant les différences et les spécificités de chacun avec bienveillance. Amen. Amen. Et tous ensemble, réunis et portés par la joie du Seigneur, nous prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. En parole de bénédiction, je souhaite vous laisser ce verset de 1 Jean 4, verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Oui, Dieu nous a aimés le premier. Il nous l'a montré par la naissance de Jésus à Noël. Soyez encouragés à mettre votre confiance dans le Seigneur et à l'aimer en retour, et aussi à aimer ceux qui vous entourent avec joie. Le Seigneur vous donne sa paix. Amen. Nous terminons maintenant ce temps de célébration de Noël avec un dernier chant, Joie dans le monde.